Bonjour à tous, je suis Crafton7 et je suis ici pour faire une vidéo spéciale Halloween. Donc aujourd'hui nous allons faire un Super Smash Mob. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On a 4 personnages qui doivent se fight jusqu'au dernier. Ils ont 4 vies, c'est des mobs et voilà. C'est fini. Bon, j'espère que la qualité sonore rendra bien parce que je teste mon nouveau micro, donc ça pourrait être sympa de tester mon nouveau micro. Alors voilà, donc vous voyez, moi j'ai pris Golem de fer, donc de particularité il n'y en a pas. Si, je peux faire une seismic slide, donc ça, et j'ai une bonne arme, par contre je suis lent. Ah, merde. Bon. Je suis le premier. Ah non, je suis même pas le premier à avoir perdu une vie. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'avais pas envie de perdre de vie. Bon, je vais encore perdre. Non mais je rêve. Je rêve. J'atterris dans les airs, donc mort, hein, mais bon, j'ai quand même réussi à faire 2 kills et à assister et à aider à faire 2 kills. Bon, on va juste attendre un petit peu le temps que on va regarder un peu le match, hein, voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, je regardais, oh bah tiens, il y avait une araignée là, je sais pas pourquoi. Et lancer des toiles d'araignée, ça faisait chier. En fait, ça, c'est une bonne technique. En fait, c'est la technique consiste à attendre que les autres s'entretuent et à laisser les autres mourir à sa place. Voilà, c'est une technique comme une autre, ça marche. Mais perso, moi j'utilise plus trop cette technique parce que comme j'utilise souvent Golem de fer, et ben je vais me faire repérer parce que comme Golem de fer ça fait 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Ah ben voilà, il a testé cette technique. C'est quand même rare de voir un cheval squelette faire des doubles sauts. Ouais, assister. Alors la fameuse technique des squelettes, alors c'est à peu près comme le golem de fer. En fait, le golem de fer lui fait une grosse pulsion sur le sol, un gros séisme, et le squelette lui il balance une tornade de flèches s'il attend longtemps et s'il utilise son arc pendant longtemps et s'il appuie sur sa pelle, lui ben, il balance plein d'os. Bon voilà, là on voit, et le squelette et le cheval squelette, je suppose que c'est la même chose parce que c'est un squelette aussi. Bon, jusque là c'est pas trop compliqué. Le gagnant c'est Aileen Mendoza. Bon, moi je suis dernier, hein. Bon là on va en refaire une et on va voir. Ah, par contre mes FPS baissent, ça c'est étrange. Ah c'est bon, mes FPS remontent. J'ai gagné combien là? J'ai gagné combien de gemmes? C'est bizarre parce que j'ai 1194 gemmes, alors j'en avais 300 tout à l'heure. Vite. Je vais prendre squelette pour vous montrer ce que ça fait. Hein. Alors, vous voyez, les classes en vert, c'est les classes qu'il faut payer. Et les autres classes en vert que j'ai vues juste avant de téléporter, c'était pour les classes Hero, donc une classe payante. Et les classes Ultra, donc une autre classe payante. Hero et Ultra, c'est, enfin je crois que c'est les mêmes, enfin je sais pas si ça a changé, mais alors je vais prendre, vous voyez, si j'attends longtemps, alors si je fais ça, hop, explosion boss. Ouais.
Ah, il y a encore l'autre. À tous les coups, ça doit être un héros qui prend des... Raté. Donc vous voyez qu'on peut faire des doubles sauts, ça c'est sympa. Alors la différence entre bonne explosion et seismic slap, c'est que bonne explosion quand même c'est plus cheaté. C'est plus cheaté. Ah, attendez, je me concentre là. Je me sauve. Allez. Il faut que je m'en aille. Je ne sais pas si ça va sauter tout ça, mais j'espère que ça va bien. Oh, je l'ai touché avant. J'ai plus que deux vies. Bon, au moins comme il y a quelqu'un qui est déjà mort, j'aurai le mérite d'être mort que d'être troisième. Donc gagner plus d'argent. Plus de gemmes. Et avec un peu de chance. Bon, allez, il faut que je survive. J'ai l'impression que c'est le... Bon, il faudrait que je me plante. Ouais, j'ai eu le creeper. Ouais, j'ai eu... Je suis arrivé deuxième. Bon, il a encore gagné. Deuxième place, crafting set. C'est pas mal. Allez, je vais essayer de viser la première place. Bon, ça va être dur. Et l'autre, il a... Lui, il a... Oh, bah, oui. Non mais j'ai vraiment gagné tout ça. En fait j'avais pas 300 gemmes, j'avais 1000 gemmes et quelques, maintenant j'en ai 1227. Donc comme je vous l'ai expliqué ici, quand on clique, il s'est marqué, il faut, est-ce que je suis witch? Non, je suis pas witch. Non, je croyais que c'était gratuit. Il faut payer, cela il faut payer. Et cela c'est des et ceux-là, là, c'est des ultra. C'est pas trop, la plupart sont pas trop mal, mais moi j'ai jamais testé un ultra parce que j'ai pas l'argent. Voilà. Alors, c'est Smith. Alors, par contre, le problème avec le golem de fer, c'est que j'ai lenteur. Même pas. Oh non. Non, c'est dommage. Ce qui est marrant, c'est que quand je meurs avec en sautant avec la 6000 slab. Non, mais. Oh, je suis tombé comme un abruti. Je suis mort en mode abruti. J'espère que je vais pas mourir quand je vais me planquer. J'espère que je ne vais pas mourir. J'aimerais bien avoir un peu l'avantage. Oh bah il est mondé là, il est tombé. Oh je l'ai eu. Oh bah je l'ai eu. Oh bah j'en ai eu un. J'ai kill Mark Cut. Ah bah ça va, je suis plus dernier. Maintenant il y en a d'autres qui ont moins de vie que moi. Bon ça va, il y en a d'autres qui ont autant et d'autres qui ont moins. Oh bah il est mort. Allez, il y en a deux qui ont moins. Ah bah il est mort aussi. Allez, il faut que je m'en aille. Le problème c'est que c'est chacun sa peau. À la rigueur, s'il y en a un qui nous aide, ça va. Mais s'ils sont tous contre nous et qu'il y en a même qui sont alliés entre eux,
faut pas que je meure. J'aimerais bien être au moins troisième. Bon, j'ai essayé de survivre. Mark Cut, je l'ai tué, mais il a encore deux vies. Bon, bah, je vais devoir me battre. J'ai pas vraiment le choix. Mais pourquoi il s'acharne sur moi? C'est parce que je l'ai tué une fois, ça? Bon, il faut que je me replie stratégiquement. Ouf, ils sont partis se planquer. Ils sont partis se fight. Ah! Moi, je suis mort. Je suis pas dans le podium. C'est dommage. J'ai fait quand même 2 kills et 4 kills et 1 kill assist. Donc kill assist, je pense que ça veut dire assister à un kill. Donc oui, c'est à peu près ça que ça veut dire à mon avis. Je pense que ça veut dire un truc dans ce coup-là. Ah, c'est marrant parce que le Blaze il peut voler quasiment. En fait le Blaze il vole à moitié. Et c'est assez marrant. En fait, il peut quand il saute, et ben il saute très haut, donc du coup et il peut ressauter dans les airs. Du coup, ça c'est stylé et ça fait un truc pas mal. Ouais. Bon. Donc c'est Halloween et donc du coup ça convient de faire un combat de monstres. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça pour le spécial Halloween. Donc le spécial ça et à chaque fois en fait je gagne 10 gemmes en plus pour la participation, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, mais alors si je me planquais ouais ça peut être pratique, mais ça peut être pratique aussi si je veux pas me planquer et si je veux me fight. Il a pris Slim, c'est une classe hyper faible. Oh le champignon géant. Là-bas on voit qu'il y a un champignon, mais vraiment un super champignon, il est super bien modélisé. Alors c'est un très beau truc, bien mieux que mes Pokémon, mon pixel art Pokémon. Oh bah tiens, Aileen Mando, je ne saurais pas comment le prononcer. Et j'aime bien cette map parce qu'il y a un gros champignon, donc du coup on peut facilement se refiler. Oh non, il y a un poulet. Oh mon dieu. Alors Aileen Mando, il a déjà plus beaucoup de vie, hein. Il a déjà plus que 2 vies. Moi j'ai encore 4 et il y en a déjà 3 qui sont quasiment morts. Il y a un gars qui vient vers moi. Oh bah je suis dans le top 3. Ah, je suis en feu. Je pense que je souffre un petit peu. J'espère que Aileen Mando il va mourir cette fois parce que je n'ai pas envie. En fait, je l'aime pas trop parce que j'ai fait 3 parties déjà et il a gagné à chaque fois. Et donc, du coup, c'est juste pas qu'il gagne, c'est un putain de méchant.
Oh, j'ai encore perdu. Pourtant, je suis celui qui a le plus de vie, donc je vais laisser s'entretuer. Je sais qu'il y avait un poulet, mais je crois qu'il est mort. Alors, le poulet, c'est une classe assez qui est payante, parce que c'est la classe une classe héros, et c'est une classe assez cheatée parce que il balance des œufs explosifs, des petits poussins qui vous poursuivent et qui vous tuent. Enfin, qui vous tuent pas forcément, mais qui vous tapent très fort, qui vous font mal, et il peut en faire plein. Et il fait plein de trucs comme ça. Donc, ça suscite, et il peut voler. Voilà, il peut voler. Il y a aussi le golem de neige. Le bonhomme de neige qui peut. Où il est? Où il est le vilain monsieur? J'aimerais bien. Ah non, je veux pas mourir. Oh non, j'ai perdu mon avantage. Un duel à mort. Il doit plus avoir beaucoup de vie vu qu'ils sont. Non! Oh, il a encore gagné. Ah, j'ai envie de crier. J'avais deux vies d'avantage et il m'a quand même. Ça prouve que les héros ont des classes overcheatées. Si, on sait s'en servir, bien sûr. Tiens, vous voyez, dans les classes payantes, il y a le pig. Le pig, le blaze, le chicken, le cheval horse, le squelette horse et le wither skeleton, la sorcière, le magma cube et le snowman. Donc voilà, j'en fais un petit dernier, hein, histoire de snowman. Donc, allez, vite. Donc, allez, c'est le dernier et après c'est Halloween. Hein. C'est Halloween, comme j'ai envie de dire. Là, ça va, on est que 3. Donc, on est forcément dans le top 3. Oh, ça va. Oh, mais ça va, toi. Hé, hey, doucement, calme-toi, toi. Oublie. Je te hais. Mais pourquoi tu me suis? Tiens, on est 3, hein, on n'est pas que 2. Voilà. Ah, ça m'énerve déjà. C'est encore plus cheaté. Witch. Oh, j'ai déjà plus de vie, putain, il m'a pris une classe cheatée aussi. Ah, j'aime pas quand c'est cheaté. Bon. En général, quand ils prennent la fuite, c'est-à-dire qu'ils ont plus beaucoup de vie. Alors là, je suis mort tout seul. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Ouh, j'ai cru que j'étais mort. Allez.
moi je suis mort. Alors j'ai fait un kill et j'ai assisté à un kill. Bon bah ça va pour une partie avec deux classes cheatées. N'empêche que sorcière. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime et commentez-moi dans les, dites-moi dans les commentaires comment est mon casque, si vous aimez, si vous aimez pas. Si vous aimez pas, ben j'arrêterai de le mettre, hein, mais bon, si vous aimez, merci d'avoir regardé, bye et à la prochaine.